entre O'Brien et Girard. En fond de territoire, Bourret. Le long de la rampe veut rejoindre Asselin. L'intervention de Verpass. Il envoie en fond de territoire. Girard intervient. Il est frappé solidement par Sedlak. C'était limite là-dessus. Lessard et on va jeter les gars. Sedlak et Lessard. À la droite de Gibson. Oh, bonne droite de Sedlak au départ de Lessard. Autre droite là, cette fois, c'est Lessard qui applique quelques droites. Et Sedlak se défend bien. Lessard qui sort la gauche. L'uppercut cette fois à la droite de Sedlak. Un bon combat entre les deux joueurs. Lessard, vétéran de 20 ans. Bonne droite de la part de Sedlak derrière le casque de son adversaire. Les deux, c'est l'empoignade jusqu'à maintenant. On tente des droites derrière la tête de chaque joueur. Bonne droite de Sedlak deux fois. La chute de l'attaquant des Sags. Lessard tombe par-dessus. Un bon combat de Lukasz Sedlak qui n'a jamais reculé devant Jonathan Lessard. Résultat nul. On va le donner comme ça, Anthony, entre ces deux hommes. Et c'est un beau geste de la part de Jonathan Lessard. Et lui, on peut dire bien des choses à son sujet. Beaucoup de suspensions dans sa carrière. La dernière, évidemment, il avait sorti le genou, on s'en rappellera tous, sur Nick Sorensen des Remparts. Et il y a des certaines mauvaises choses qui sont dites à son sujet. Sauf que, on le voit, c'est un joueur intense qui n'a pas peur d'aller à la guerre. Et il semble s'être blessé. Il s'est blessé à la main droite, Anthony, retraite au vestiaire. Donc,